Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc on joue ensemble à Last of Us 2, c'est la 38e vidéo. Donc là on est retourné pour aider le couple, je pense que ça va être la mère et l'enfant qui nous avaient sauvé la vie dans la vidéo 36, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, encore un passage où j'en ai pris plein la pomme, là juste où on voit les conteneurs. J'ai recommencé, je sais pas combien de fois, c'est vraiment très dur. Je veux aller trop vite comme d'habitude et je me fais avoir, mais bon, j'ai quand même réussi à passer. Donc voilà. Donc je m'étais arrêté juste là. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la cloche de notification, lâchez un petit pouce si la vidéo vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Si vous voulez me dire ce que vous pensez du jeu en lui-même ou de ma façon de jouer ou autre, de ma chaîne, n'hésitez pas. Et si vous voulez bien sûr partager mes vidéos, n'hésitez pas non plus. Eh ben, je vous souhaite une très bonne vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien, les amis. Bisous. Allez, par contre, on va prendre ça. Parce que j'ai plus beaucoup de flèches. Allez. Allez, Abby, sortez muscles. Donc, oui, avant, je me suis pris une tanasse, mais. En même temps, ils étaient un petit peu beaucoup, hein, je suis tout seul. Donc, il y avait deux personnes avec des masses. Puis des autres avec des armes à feu, donc bon. Donc là on est déjà venu. Donc bah, logiquement il n'y a plus rien à récupérer. À moins que ils sont gentils avec moi, puis ils m'ont remis des petites choses, mais ça m'étonnerait. Alors, tac tac tac, bah non. Donc là il y avait un atelier, c'est ce qui me semblait. Non, il n'y a rien. Bon, bah, on va voir à l'atelier si on peut faire quelque chose. Sur l'arbalète, ce serait bien. Mais je crois pas que j'ai les pièces nécessaires. Malheureusement. Eh ben non. Voilà, comme ça, problème résolu, je garde mes pièces détachées pour plus tard. Allez. J'espère qu'ils sont encore là. Je la sens pas, moi. Je sais plus où on était passé d'ailleurs. Voilà. Ok. Oh, il y a des cadavres. Petit, vous êtes encore là? Flèche. Faites pas un pas de plus. C'est moi! Désolée. Comment elle va? Oh là 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 là. Je dois bouger ton bras. Appuie-toi sur moi. Où est-ce que tu l'emmènes? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, non. Baisse ton arc, c'est bon. Baisse ton arc. Tais-toi. Laisse, baisse ton arc. Il est fou, lui. Alice.
Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Elle s'appelle Yara. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. Pour couper en cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous! C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les SCAR utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois? C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Abby? Abby? Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle? Fais pas de conneries, ok? Ok. Bon bah du coup il y a quand même des sentiments d'humanité. On a de la même chance si c'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Comment? Comment elle s'appelle? Lui? Owen. Owen. Abby. Même la chienne, c'est Alice. J'aime pas les chiens. Je disais même si c'est la guerre de clans, les infectés entre les humains, etc. Là, il y a un acte d'humanité. Donc c'est beau. C'est beau. Alors, qu'on ne se fasse pas avoir par le temps. Donc je sens que ça va être encore baston à fond. Ces passerelles permettent vraiment de franchir les rapides. Ouais. Donc je sais pas vous, mais ouais. Ça me fait penser un peu au fils de Thanos.
marquait. Oui, c'est Talos, je crois. Je dis pas de bêtises dans God of War. Non, c'est pas Thanos, j'ai n'importe quoi, Thanos c'est dans Marvel, oh là, excusez-moi. Qui nous suit avec son arc. Donc pareil, c'est un jeu que je ferai, bientôt. Là par contre, j'espère qu'on va trouver des, voilà. Là il faut. Donnez-nous des trucs là. S'il vous plaît, donnez-nous des items. Kratos, oh là là, Kratos, excusez-moi. Quelle honte. Oh. Honte à moi. Honte à moi, fois 1000. Thanos. Thanos, c'est le méchant dans Marvel. Eh ben. Il faudra qu'elle essaie de l'opérer avec Scowell sous la main. Ce serait. On convient d'ici, ok. Ce serait pas l'idéal. Tu penses qu'elle va s'en sortir? Si on récupère le matos, ouais. Elle a de bonnes chances. Allez. Ah non. Ce n'est pas là. Donc c'est là. Tourne pas à l'eau. Tu seras emporté par les rapides. Je sais. Tu sais nager, au moins. Oui. Il tomberait tort. T'es sûr que toi, c'est bien. Non. Plutôt là, je dirais. Essayons de voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur cette passerelle. Allez, donnez-moi des trucs, s'il vous plaît. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Seraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Il y avait un petit bâtiment en contrebas. J'ai pas visité, j'ai vu qu'il y avait une vitre de cassé. Donc j'espère que j'ai rien loupé d'intéressant. Ah mais donnez-nous des trucs sans déconner hein. Sauvez-moi par pitié, envoyez-moi n'importe qui, un wolf, un séraphite ou autre, je m'en fous, je ferai tout ce que vous voudrez. Je me balafrerai, je descendrai des connards de la Fedra, j'en ai rien à foutre, je veux pas crever ici, je vous en prie, aidez-moi. S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces. Ouais. C'est gay. Bon bah là on peut pas monter. Ok. Très bien. Bon bah là. Fais gaffe au bout de verre. Hey, pas mal. C'est mieux que rien. Ok, allez, on continue. Faut aller où? Ben, on a vu celle-là. Oh merde. Tu vas bien? Ça va. T'es sûr? Je te dis que ça va. On approche de ton immeuble.
Va falloir qu'on fasse quelques détours. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas. On voulait juste partir. Je vais faire des... Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Alors, chère voisine, nous c'est Sam et James, on habite au 302, on savait pas qu'il restait des gens ici. Faut pas avoir peur de nous, voici un petit quelque chose fraîchement sorti du four. Sam, merci pour le pain de maïs, ma mère m'a dit de vous en donner, de vous donner cette bouteille de vodka, pardon. J'espère qu'elle est bonne, pourquoi vous n'êtes pas parti en car avec les autres? Moi c'est Julia, ma mère s'appelle Heidi Julia. Où t'as trouvé cette vodka? C'est génial, on est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges, c'est... la loi de la jungle, les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésite pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, ta mère et toi, Sam. Merci encore, je regarderai si je trouve de la farine de pain, pour le pain de maïs quand je sortirai. Ça a changé ma vie. C'est gentil de proposer d'aider ma mère, ça serait pas de refus. Je vais sortir chercher des provisions, mais je reviens ce soir. Vous n'aurez qu'à frapper, Julia. Alors, les Scar ont vu James cuisiner sur le toit, ils l'ont abattu, j'en ai tué 2, mais la troisième a filé. Je laisse notre porte ouverte et quelques réserves dans notre coffre. Le code, c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous, Sam. Je ne peux pas abandonner ma mère. On habite au 302. Donc, 302. Donc, l'appartement ici, c'est... C'est combien? Si c'est le 302. Faut trouver le numéro de l'appartement ici. Et on sera pas mal. Le coffre il est là. Allez. Voilà. Trouver le maximum de choses. Petit ordi, double écran. C'est un gamer. Non. Je la prends pas. Oh, moins que si. Batte de baseball, c'est pas mal. Allez. Voilà, pour faire une potion, enfin une trousse. Voilà, très bien. Ok. Alors, numéro d'appartement. Bon, j'ai pris un peu de temps, mais j'ai ramassé pas mal d'items. Alors, 302. Et 301. Donc, donc, c'est 30. Allez, dites-moi que c'est ça. Non. Donc c'est 30. 13 02. C'est quoi? Ah, ça m'embête ça, ce genre de truc. Échange entre voisins. Alors,
Alors, le code, c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez vos... Sam. Les Scars ont vu... Je recommence. Chère voisine, nous c'est Sam et James. On habite au 302. Eh ben, 302, 301, 30, 23, 01. Je vois pas où est le... Ça m'agace. Donc 302 et... Airwood, non, c'est pas ça. Home sweet home. Ah bah c'est celui-là. À mon avis. Donc c'est 304. 323-04. Allez, on retente. On va y arriver. T'as le gosse qui nous attend. 323-04. Donc 30. Yes. Excusez-moi pour ce... cette petite confusion. Est-ce que je peux pas faire ça? Si. Ok. Oh, préparer le terrain. Ok. Ok, bon, on va continuer l'exploration. Donc on a déjà pas mal de temps qui est passé, malheureusement, ça passe trop vite. Oh, ok. Donc on a fait le plein dans cette maison, plus on a trouvé un petit coffre, donc c'est super cool. Encore un petit peu d'humanité en voyant des lettres de voisins qui s'entraident. En temps de, on peut dire, de guerre, d'apocalypse. Alors, est-ce qu'on va retrouver des choses intéressantes sur ce toit? Ça a l'air d'être un poste de garde. C'est là où il faisait la cuisine. Non, il n'y a rien. Donc il s'est fait abattre sur le toit. Il faut se méfier. Oh! J'ai pas vu. Excellent. Donc, deux, trois bricoles par-ci, par-là. Alors, on va où? Moi, je dirais qu'on va aller là. Non!
Insupportable. Oh, super, super, super. Super, super, magnifique. Que des bêtises. Je fais que des conneries, c'est pas vrai. Alors, on recommence. Je sais pas comment appréhender le truc en fait. Ok. Ok, c'est bon. Allez, on recharge. Tu vas bien ? On ramasse tout ce qu'on peut. On se soigne. T'as tué combien de séraphites ? Pourquoi ? Comme ça. Je sais pas. Très bien. C'était ouais, chaud. Okay. On essaie de voir si on peut récupérer des petits trucs, hein, on ne sait jamais. Tout est bon à prendre. Hey hey. Ok, ok. Toujours avoir une bouteille ou une brique, de toute façon. C'est important. Lui, il a donné quelque chose. Ah, il donne rien, c'est pas cool. Alors, bon bah je pense qu'on peut passer là. Je pense. À moins que je me trompe. Donc là, chambre froide. On peut pas aller plus loin. Ok. Bon, à mon avis, il faut monter là. Bon, on est reparti. Faut vraiment que tu fasses gaffe, d'accord?
déjà fait ce genre de truc. Très bien, donc niveau temps, on a déjà la demi-heure. Donc je pense qu'on va arrêter ici. À la rigueur, on va se présenter au prochain bâtiment là. Et voilà. Parce qu'à mon avis, ça va être encore la baston. Voilà, on va arrêter par là. On va arrêter là. On verra ce qui se passe dans le prochain épisode. Ben, je vous dis à très vite, les amis. Bye bye.